Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'emmener avec moi à l'Armada. En gros l'Armada en fait c'est les plus grands voiliers de tout le monde, de toute la terre entière qui viennent se donner rendez-vous ici à Rouen en Haute-Normandie, tout près de chez moi. Et ça tous les 6 ans. Tous les 6 ans on a le droit à un magnifique palmarès de tous les voiliers, enfin il n'y a pas que les voiliers, il y a aussi des bateaux de guerre et c'est vraiment magnifique à voir. Et donc du coup je voulais partager tout ça avec toi. Voilà, donc les bateaux restent 10 jours sur place et puis bah voilà, donc moi je suis allée en tout 4 ou 5 fois, je sais même plus. Bon bref, du coup bah, je t'emmène avec moi pour voir tout ça. Voilà, allez c'est parti, on y va. Ah merde, t'as entendu par là? Faut faire le tour. Non regarde, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller là. Attention, attention, il y a une photo. Oh, c'est génial. Le monde qu'il y a. Bonjour. Vas-y Jade, tu veux essayer? Vas-y. Ouais, elle est prête. Non, je suis plus tu. Non, je vais garder rien. Ouais. Je sais pas. Il y a une lumière, faut être fait. Waouh! Gabriel! Super! C'est génial! Gabriel, je suis où? Tu veux aussi essayer? C'est ça, enfin. Non! Non, je peux pas. Non, bah non, tant pis, hein! Merci! Avec plaisir! C'est hallucinant, c'est le monde qu'il y a de ce temps-là. En plus, il pleut. Il y a du vent. C'est impressionnant, hein. C'est génial. Chauffage, ça fait du bien. Ils sont tout petits les gens comme ça. Oh regarde le monde, putain. On va en chier pour sortir. Ah regarde là, la porte est ouverte, on peut aller voir. Attention, bébé. Il y a pas droit. Attention, super.
Il y a une tempête en plus, là on va tous s'envoler, on va tous tomber dans la Seine, ça va être génial. Oh la vache. Je sais même pas si on m'entend avec toute cette tempête là. C'est infernal. Hey, c'est des grêlons qui tombent. Mes chaussures est très lourdes. C'est la merde. Vu que la première fois le temps était pourri, on a décidé d'y retourner une deuxième fois. Mais le temps n'est pas génial. Encore une fois, aussi on a décidé d'y aller en compagnie des papiers, mamie. Arrête. Il y a beaucoup moins de monde qui paraît à samedi. C'est l'idée d'y aller à samedi par temps plus vieux en plus. Hein. On est vraiment des cons. Oh putain, c'est raide la peau sur toutes les petites les marches. Ah, t'es là. J'avais pas vu. C'est génial. Je suis même pas allée voir de l'autre côté, moi. Il y a un bar. Attends. Vous voyez là, tout à l'heure. C'est joli. Ouais. Ah oui, c'est un peu mal foutu, les escaliers, quand même. Hein. Ah, c'est une casse-gueule. Oh putain, il fait encore plus sombre là. Ça bouge. Oh, la petite cuisine. Attention les manches. On les frites et tout. Ça pourrait être un petit peu mieux rangé quand même. Hein. Regarde, maman se range dans les chambres. Oh, c'est génial, purée. Des jeux pour les enfants. Pour devenir un vrai petit matelot, tu veux essayer, papy? J'essaierai bien. Hein. Qu'est-ce que c'est moche là, ça, par contre. Hein. Faut se l'avouer. Hein.
celui-là. Faut pas que je m'avance de trop, sinon je vais tomber dans l'eau, moi. C'est ça qui est dangereux ici. C'est dur, hein? Mmh. Bon, c'est pas la meilleure vue de Rouen, mais bon. La cathédrale de Rouen. Juste un petit bout. Hey, hey! Salut! Et bienvenue dans cette troisième journée avec nous pour, encore une fois, aller à l'Armada, parce qu'on adore ça. Bah oui, on adore les bateaux. On adore surtout les marins parce qu'ils sont très mignons. Et bah du coup, bah on vous emmène encore avec nous. Alors faut savoir que l'Armada dure 10 jours. Donc là, je crois que je sais plus, ça a commencé jeudi dernier, là on est mercredi. Donc ils s'en vont dimanche. Et dimanche, on les verra partir. Et puis bah voilà. Et je pense qu'on va y retourner encore une autre fois après. Peut-être de nuit, comme ça on pourra voir le feu d'artifice, ça serait cool. Parce que tous les soirs, il y a le feu d'artifice. Et ça serait cool de pouvoir le voir. Il y a le concert aussi. Ouais, mais les concerts, on peut pas les voir. C'est le bordel. Enfin bref. Bah oui, alors du coup, bah voilà. Vous nous suivez, on y va. On y retourne, on va aller voir les bateaux. Et les marins. Alors tous les soirs à l'Armada, pendant 10 jours, on a le droit à des concerts gratuits en plein air. On a eu la chance d'avoir, enfin la chance ou pas, hein, ça dépend pour qui, d'avoir les Magic System. On a eu aussi Dadju. Et c'est qui? Claudio Capeo, entre autres. Non, Vita. Non, Vita, non. Ah oui? Donc tous les soirs, on a le droit à un concert gratuit en plein air et aussi un feu d'artifice. C'est pas trop la fête, ça? Eh, j'ai une voix de canard, je crois que je me suis chopé une angine, laisse tomber. Et donc la direction l'Hermione, c'est notre bateau fétiche. On y avait été il y a 6 ans. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et du coup, là, on voudrait y retourner. Donc c'est le premier qu'on va faire. Voilà, mais pas de chance, il est tout au bout de la Seine. Donc il faut qu'on traverse tout. Ça, c'est la misère. Mais c'est pas grave, on y va. Je sais même pas si on m'a entendu, je crois que j'avais la main sur le micro. C'est pas grave. Donc voici l'Hermione, le bateau qu'on a visité il y a 6 ans. Je vais vous montrer des photos avant et après. Et là, on va essayer de remonter dessus. Oh, il y a le beau pirate. Voilà devant l'Hermione, malheureusement il y a une queue d'attente pas possible. Mais on va attendre, hein, tranquille. Ça y est, on est enfin dessus. On est sur la petite passerelle. Il est impressionnant, magnifique. Aïe! Nous voilà dessus, enfin! Bon, on a fait un quart d'heure de queue, je te jure qu'on va rester longtemps sur le bateau. Hein. Bah, si on arrive à faire quelque chose, parce qu'avec le monde qu'il y a. La queue devait se terminer derrière nous, mais juste derrière, il y avait un papy et mamie, ils ont dit qu'ils étaient avec nous, alors qu'on les connaît pas du tout. Ils ont raison, j'aurais fait pareil quand je serais vieille. Enfin, je ferais pareil quand je serais vieille. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, parce qu'il y a des cadavres de corsaires. Quel cadavre? Quel cadavre? Non. T'as vu que c'est...
Bon bref. Nous voilà sur le bateau Mir, et si je dis pas de conneries, c'est un bateau russe. C'est super dangereux ici, j'ai déjà vu la dernière fois, mais il n'y a pas de barrière. Tu peux tomber dans la Seine, il y a déjà des gens qui sont tombés dans la Seine. Hier, il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Ah bon? Ah, regarde là. On le fait celui-là? Ouais. Il n'y a pas grand monde là. Je sais pas c'est quoi. Mais Santa Maria. Oh, ça doit être italien ça. Ah non, même pas. Un Portugal, c'est marqué. C'est le Portos. On est chez les Portugais. Bon bref, là on va visiter le Santa Maria Manuela. Du Portugal. Je crois que mon accent était pourri, mais c'est pas grave. En plus, j'ai une angine. Ça excuse pas tout. Ne touche pas. Merci beaucoup. Ne touche pas. C'est clair? C'est marqué. Hein. Ne touche pas, c'est marqué. Je sais pas lire. Vas-y, monte. Vas-y. Oui, une petite fenêtre ouverte là. Que se cache-t-il dedans? Un truc. Oui, il y a une caméra sur le mur. Tu crois qu'on a le droit de descendre? C'est un trou. Ouais. T'as le droit de descendre? Bah, je sais pas si on a le droit de descendre, il y a pas de barrière. Hein. Ah bah non, t'as vu, on a pas le droit. Regarde. On peut y aller? Non. Ah. On voit. Super. Merci. C'est gentil, monsieur. Vous nous a laissé regarder. Je sais pas si on avait le droit. Il est 5h, les bateaux vont fermer, les visites vont plus être autorisées. Donc j'espère qu'on pourra en faire un petit dernier, ça serait cool. Et moi j'aimerais bien viser plus gros, le brésilien ou le mexicain, mais c'est pas gagné. On essaie de monter dedans. Ouais, c'est clair. C'est le bateau brésilien. Il y a un drapeau du Brésil. Il y a un beau brésilien. Ça fait pas mal. Et arrête de te cacher. Ça fait pas mal. Moi j'ai dit que j'avais fait 7 à 8 kilomètres. Merci. Je crois que ce sont des vrais. Là ils vont sur l'Hermione, le premier qu'on a fait. Voilà. Rien à voir. Ah bah non. Non, Luna, descend. Ok. Ah non, bah non. Ah non, t'es content, je coupe. Okay. D'accord, vas-y. Ah, t'es content, elle est. Pardon. Ok, sorry. Il y a de l'ambiance sur le bateau brésilien. Hein. Ah non, faut pas aller dedans. Qu'est-ce que se passe-t-il par là? Est-ce que je vois, c'est très joli.
Et je voudrais pas dire, mais il n'y a qu'à moi qu'il a dit bonjour le monsieur. Et tu pas de conneries pendant que j'ai le dos tourné. Je te connais, toi. Non, j'ai fait tomber. Non, arrête de tomber. Et j'ai confié mes petits bijoux aux filles. J'ai un petit peu peur quand même. Regarde ce que tu fais. Tu vois ce rajout? C'est long. C'est long, une de chaque côté. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Et on est tout, voilà. Je peux filmer? Bah vas-y, filme. Et tu fais pas tomber ma caméra? On avait échappé à la pluie jusqu'ici, mais c'est foutu. Allez, je crois que c'est avec l'heure de rentrer. Donc c'est parti pour un acte 4 pour la visite de l'Armada, mais cette fois-ci une visite nocturne. Comme ça, on va pouvoir voir le feu d'artifice. Et ça, c'est cool. Donc c'est parti, on y va. La prochaine fois, c'est que dans 6 ans qu'il revient. C'est nul, hein. Putain, j'aurais 38 ans, la gueule. Et voilà, on est arrivé chez mon frère pour aller voir les bateaux s'en aller. Donc par contre, il va falloir être très patient. C'est tout au long de la journée. Et il y a quand même pas mal de monde. On fait le petit pique-nique en même temps.
Derrière, il y en a un qui a 800. Il y a un bateau.
Thank you.